Il a fait chuter Ségolène Royal. Olivier Falorni siège pour la dernière fois au Conseil, a siégé pour la dernière fois au Conseil régional de Poitou-Charentes, à Poitiers, où nous retrouvons Tiffany Oswalt. Les deux rivaux de La Rochelle ont poursuivi à Poitiers leur jeu du chat et de la souris, Tiffany. Et oui, énième épisode du feuilleton duel Royal-Falorni. Alors c'est Olivier Falorni qui est arrivé en premier ici au Conseil régional de Poitiers. Il y a présenté, vous l'avez dit, sa démission. Donc il a assisté à sa dernière session au sein de cette assemblée régionale. Olivier Falorni qui a annoncé sa démission d'ailleurs, qui n'a provoqué aucune réaction. Silence total dans la salle quand il l'a annoncé devant tous les autres conseillers régionaux. Et puis il a ensuite quitté cette séance juste avant l'arrivée de Ségolène Royal, la présidente de la région Poitou-Charentes, qui devait présider cette assemblée dès 14h30. Elle est arrivée seulement finalement aux alentours de 16h30. Olivier Falorni était déjà parti, donc ils se sont à nouveau évités, comme depuis le premier tour des élections législatives. Ils ne se sont jamais parlé depuis. Bref, l'épisode est clos. Ségolène Royal a donc terminé cette séance et puis elle s'est exprimée à nouveau sur son avenir après cette défaite lourde de défaite hier enregistrée dans la première circonscription de La Rochelle. Je vous propose de l'écouter au micro d'Olivier Saint-Paul. Alors qu'il est, je ne veux pas revenir sur tout cela. J'ai fait le commentaire qu'il fallait, avec lucidité, clarté, vérité sur ce qui s'est passé. Aujourd'hui est un autre jour. Je reprends mes travaux, comme vous le voyez, à la tête de la région. C'est un travail à la fois passionnant et exigeant. Je réfléchis également à la façon dont, en complément de ce travail, je peux être utile à la réussite de notre pays. Ségolène Royal qui dit réfléchir à son avenir sur le plan national. Peut-être la présidence du Parti Socialiste, lui demande-t-on. Elle répond qu'elle est flattée, qu'on pense à elle, mais elle dit que pour l'instant, elle n'a pas pris de décision quant à son avenir. Tiffany Oswalt et Marion Ruault.